Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à mettre une image de fond pour votre site. Alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas trop le titre de la vidéo. On sait très bien comment mettre une image de fond. Il suffit de faire un body en CSS et de remplir l'attribut background. Ensuite, on met l'URL de notre image, et puis c'est bon, on a notre image de fond. En effet, mais ici, vous mettez juste votre image dans le fond, et vous ne mettez pas la taille de cette image, de fait que du coup on peut avoir, comme c'est le cas ici, une partie qui va être blanche soit à droite soit en bas, parce que votre image n'est pas soit assez large soit assez haute. Alors bien sûr, vous pouvez prendre une image extrêmement grande, mais il y a toujours un risque que, un, l'écran ait une résolution plus élevée que votre image. Je prends par exemple une télé. De même, bah du coup, si moi j'ai une toute petite résolution, je vais aller charger une image qui va être énorme, qui va être du coup très lourde et qui va demander quand même pas mal de ressources réseau et de bande passante, alors qu'en fait, moi je vais afficher même pas un quart de l'image. Donc non, l'idée c'est de prendre une image correcte, hein, de taille normale. Simplement, on va l'adapter et faire en sorte qu'elle prenne l'entièreté de l'écran. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors, anciennement, on le faisait en JavaScript. Donc ça veut dire que ici, en fait, je retirais la propriété background. Ici, vous pouvez voir que j'ai enlevé les marges par défaut, hein, qui se trouvent sur le body. Et l'idée ici, ça va être de mettre une image. Donc là, je vais mettre image. Hop. En source, je vais mettre la même URL que celle que j'avais mis dans mon background. Ici, je vais lui mettre un ID particulier, donc moi je vais l'appeler background par exemple. Et voilà. Donc ici, vous pouvez voir, ici j'avais test et mon image de fond. Ici, bah, comme c'est une vraie image, ici j'ai mon image et ensuite ici j'ai test. Donc déjà, je vais modifier un petit peu quelques propriétés sur ce background. Tout d'abord, ce background, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en position fixed, de sorte que si je scroll, il reste toujours à la même place. Et quelle est cette place? Bah, c'est top 0, donc je la veux accrochée tout en haut, et un left 0, donc je la veux toujours à gauche. Tac. Donc là, elle est bien centrée par rapport en haut à gauche. Comment on appelle ça? Mon titre, il est là, il est juste en dessous. Vous voyez là, j'ai plus de test en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est caché par mon image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux mettre mon image en fond. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un z-index négatif. Je vais dire, bah, ici, tu es sur le plan moins 1. Et ici, vous pouvez voir que ça y est, mon test est de nouveau devant. Et en fait, tout le contenu que je vais mettre, qui par défaut est sur un z-index de 0, va pouvoir être devant. Donc mon image va bien être considérée comme le fond. Bon, alors ça c'est bien, j'ai globalement imité le comportement du background, sauf que du coup j'ai toujours un problème de taille. Et ce problème-là va être géré en JavaScript. Donc ici, je vais appeler une balise script. Et ici, je vais déclarer une nouvelle fonction. Donc fonction, hop. Et cette fonction, je vais l'appeler resize background. Donc qu'est-ce que va faire cette image? Qu'est-ce que va faire cette fonction? Bah, elle va récupérer notre image déjà. Donc ça va être l'ID background. Et ici, je vais modifier quelques propriétés CSS de cet élément. Donc quelles propriétés je vais modifier? Je vais modifier la largeur de mon image en mettant ici la largeur de ma fenêtre. Donc ça va être window.wide. Et ensuite, bah, je vais modifier également la hauteur. Et toujours pareil, je vais prendre la hauteur de ma fenêtre. Ensuite, ici, bah, je n'ai plus qu'à appeler. Ah oui, j'ai mis resize, oui. Bon. Vous n'avez rien vu, hein. Tac, tac. Hop, resize background. Et là, normalement, si j'actualise, on peut voir que mon image, finalement, ici, prend l'entièreté de mon écran. Ça, c'est très bien, mais le problème, c'est que ça, c'est fixé au démarrage, au chargement de ma page. Ainsi, par exemple, si j'ouvre ici une partie de mon écran, donc en faisant F12, j'actualise, ici, ça prend l'entièreté de mon écran en JavaScript. Maintenant, je retire ma fenêtre,
bah, cette partie, elle n'est pas alimentée puisque j'ai fixé la taille de mon élément à la taille de ma fenêtre qui était à l'époque là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire en sorte que l'on redimensionne également notre image lorsque l'on redimensionne notre fenêtre. Et pour ça, j'ai juste à faire un window.resize. Et ici, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appeler ma fonction resize background. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait une fonction plus que le mettre en brut, c'est qu'ici j'ai plus qu'à appeler ma fonction. Et ici, hein, je vais remettre mon petite fenêtre de développeur. Donc là, elle fait bien cette taille. Je fais ça, hop, elle s'adapte automatiquement. Pareil, je rétrécis, hop, elle s'adapte. Ici, ma fenêtre s'adapte tout le temps. Et donc ici, j'ai pu mettre une image de fond qui s'adapte et qui prend bien toute la taille de mon écran. Donc ça, comme je l'ai dit, si vous l'avez remarqué en tout début de la vidéo, j'ai dit avant. Donc ça veut dire que maintenant, on ne fait plus comme ça. Eh ben non, depuis le CSS3, il y a une nouvelle propriété background. Donc, je supprime tout ça. Je vais revenir ici à mon image. Et voilà. Donc, je reviens avec mon problème. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai une nouvelle propriété qui s'appelle background size. Et ici, je peux lui mettre tout simplement cover. Et cover, ça veut dire, vas-y, tu prends toute la place disponible sur la fenêtre. Et là, si je fais ça, tac, vous pouvez voir que ça prend toute la taille disponible. Si je redimensionne, ça redimensionne. Est-ce que c'est formidable ce CSS3? Eh ben en fait, pas tant que ça. C'est pas si miraculeux que ça. Pourquoi? Déjà, bah, c'est du CSS3, donc ça veut dire que notamment sur certaines versions de Internet Explorer et des anciennes versions de navigateur, ça ne marchera pas forcément. Et surtout, le problème de ça, c'est que ça marche très bien en largeur. Le problème, c'est qu'en hauteur, ça ne marche pas. Par exemple, vous avez peut-être pu le voir ici, si je rétrécis, et ben en fait, la hauteur, pourquoi? Parce que cette image garde les proportions. Et elle garde les proportions par rapport à la largeur. Du coup, ben, ici, ce n'est pas miraculeux, dans le sens où elle va garder les proportions, et du coup, tout ce qui est en dessous, ben, je me retrouve avec un blanc. Donc derrière, la version anciennement JavaScript est quand même à cet avantage de marcher dans tous les cas. Pour moi, voilà, ce problème-là reste un problème de taille, puisque quand même, quand on va travailler sur des applis mobiles, par exemple, bah, je vais avoir un petit écran comme ça, et du coup, voilà, ça ne fait pas ce que je veux, mon dégradé, la circulaire, bah, il ne s'applique pas en bas, et c'est moche. Alors bien sûr, je peux mettre un repeat, mais ça fait que je vais avoir plusieurs dégradés circulaires, ça casse l'effet que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Alors que ici, avec la méthode JavaScript, bah, ici mon image, elle aurait été dégradée puisqu'elle ne garde pas les proportions, mais elle aurait pris tout l'espace. Donc après, là, c'est aussi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez garder les proportions? Dans ces cas-là, vous vous exposez à ce genre de problème. Ou bien, est-ce qu'au contraire, vous voulez faire en sorte que l'image soit déformée, mais qu'elle occupe vraiment tout le temps l'espace? Donc ça, c'est un choix à vous de le faire. La méthode CSS3 est quand même beaucoup plus simple, hein. Il n'y a pas de balise image, il n'y a pas de JavaScript, il y a juste une nouvelle propriété, background size, que l'on met à cover. Après, voilà, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, moi, je vous présente les deux options, et maintenant, libre à vous de prendre celle qui vous plaît. Donc voilà, c'était une petite vidéo, merci à tous pour me suivre, hein, tout simplement, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!